Dans l'épisode précédent, on est mort. Voilà. Parce que des gens ont lancé des faux. Alors j'espère que j'aurai pas tout à refaire, mais je pense que je vais avoir tout à refaire. Oh putain, j'ai complètement tout à refaire. Donc ça va être très long, je pense, parce que c'était une salle où il y a beaucoup beaucoup d'ennemis. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous le savez. Et maintenant on le saura, par contre, les Jean-Jacques qui arrivent lorsqu'on baisse le pont. Donc on va tuer tous les ennemis. Il y aura un pont à baisser derrière. Et les mecs vont bien sûr nous atomiser la gueule. Juste derrière, une fois qu'on aura baissé le pont. Parce qu'ils le veulent et qu'ils ont des faux. Après, honnêtement, si je fais ça. Ouais, j'hésite à faire demi-tour juste pour la machine éclair. Juste pour ça. Mais bon, enfin, on verra. On verra. Ça, c'était de la merde. Ça, c'est bien. Hop! Allez. Allez, on tente de s'en sortir à nouveau. On a réussi une fois, on peut le refaire. Il n'y a point de raison que nous y parvenions ou pas. Donc, lui, il est résistant parce que c'est un mec qui se transforme en tant qu'affaire. On a voulu en avoir un bien fort en rouge. Rouge sain. Hein, oh merde. Allez, donc ça continue. Toujours plus de plaisir. Serons-nous tentés de dire. Voilà, et. Bye. Là, c'est nimp. Il m'a fait peur. Ok, ça peut arriver à tout le monde, non? Récupère. Récupère le loot, on en a besoin. Donc on en a d'autres hein, qui vont arriver. D'ailleurs, je les entends encore. Donc il y en a d'autres qui sont déjà sortis. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? En attendant, on va les looter. Hein, le temps qu'ils sortent de leur petite cachette. Voilà. Ok, ça fait ça et ça. Le physique est très très fort. Il fait bien plaisir. Bien bien plaisir le fusil. Putain, aucun loot. Je suis deg. On fera l'état des lieux après. Pour le moment, on avance. Tout ça, on l'a déjà failli. Si je peux aller vite, c'est cool. Ta. J'ai moyen de voir les mecs là, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok. Ici, il en reste deux. Ok.
Oh, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur des autres là. Qui envoient leurs faux. Ils sont juste horribles. Donc là, on en a d'autres qui sont encore arrivés au passage. On les a vus la dernière fois. Il faut refaire des tours et des détours. On se repositionne et ensuite on s'occupe d'eux. Oh putain, il est fort. Il est très fort. Pas forcément le plus rapide, mais très très fort. Ok. Je me concentre un peu. J'ai encore des chaînes, ça veut dire qu'il y a encore un mec. Et vu qu'il va falloir... Ah, il a... Et vu qu'il va falloir qu'on active un levier avant de se faire décapiter la gueule. Ah, je l'ai vraiment mal pris. Je l'ai vraiment mal pris, cette décapitation forcée, là. Au bout d'un moment, on va d'avoir mal, mon gars. Ah. Je subis. Je ne vois rien. Encore. Ok, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Et un coup de... Oh, merde. La race. J'ai fait de la merde. Désolé Ashley. Tu n'avais pas eu à subir tout ça précédemment. Ok, ça a l'air pas mal. Bon, maintenant... Maintenant, je crois que c'est un changement de zone si je veux sortir. Donc j'ai peur que ça respawn. Donc on va tenter quand même. On va tenter. Est-ce que je soigne Ashley? Parce que si elle crève... Si elle crève, c'est la mort. Plutôt lui dire de rester... J'ai peur que ça respawn aussi, accessoirement. Parce que j'ai pas eu le temps de voir si ça respawnait ou pas. Tu vas rester... Voilà. Cette fois, je me soigne directement s'il me touche. What? Follow me. Pourquoi y'a pas les mecs avec les faux? C'est quoi le délire? C'est quoi le fucking délire? Look, there's a crank over there. C'est vrai. C'est vrai, y'a une manivelle là-bas.
Tu veux médaille? Balle pour fusil. Balle pour fusil à pompe, mais beaucoup de balles par contre. Genre pas mal du tout. On va recharger du coup, rapidement, toutes les armes. Le temps qu'on soit tranquille. Hop. Putain, mais le stress quoi, s'il te plaît. Un coup, il y a des mecs avec des faux qui te touchent, un coup, il n'y en a pas. Genre, qu'est-ce qui se passe? Alors, on me dit. On me dit qu'il y a des manivelles. C'est bien. C'est bien les manivelles. Maintenant, je t'avoue que. Ouais, donc je peux la porter pour lui dire de prendre une des manivelles, machin. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de monter? On va devoir monter. Mountain. Des tasses supplémentaires, ok. Rien d'autre. Ça me stresse parce que s'ils sont pas là, ils sont autre part. Tu vois. Alors je suis mort une fois et du coup c'est passé en mode facile, je sais pas, mais. Mais s'ils ne sont pas là, ils sont potentiellement autre part. Ok, donc j'ai un truc de premier secours, c'est bien. C'est bien, ça remplit mon cœur de jouet. Ouais. J'ai la mauvaise impression qu'il va falloir que. La mauvaise intuition plutôt. Il va falloir que je soigne Choupinette avec un gros truc. Oh, j'aurais pu utiliser mon herbe verte, je suis con, sérieux. C'est pas grave. Et je vais devoir la protéger pendant qu'elle s'occupe des manivelles. Et ça va me faire royalement flipper. Watch out for me. Oui. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Direct, il y a un mec qui était là, dès le début. Ok, on a un truc. On fait la moitié. Mais non! Qu'est-ce qu'elle a fait? Faut que je recommence tout de nouveau? Si c'est le cas, je suis triste. Non! Oh, merci. On a un checkpoint. Excellent. Excellent, on a un checkpoint. Par contre, si un ennemi la touche, elle est morte, tu vois. C'est genre, ça sert à rien de la soigner, en vrai. Alors j'avais pris des tuiles là-bas et là-bas, on va pas le faire. On va pas le faire, par contre on va bien recharger nos armes. On va pas chercher les tuiles et tout ça parce que, tout simplement, tout simplement, on le fera après, une fois qu'on aura fini cette séquence. Quand il n'y aura plus d'ennemis, parce que si je vais les chercher, je reviens, je vais les chercher, je reviens, on va pas s'en sortir. Vas-y. Watch out for me. Allez, allez, allez. Watch out for me. Toujours. Alors, on disait lui. Oh mais non. C'est non. Ah oui, non, mais c'est moi qui la tue à chaque fois. Tu tires dessus, c'est fini. Un nombre incalculable de fois, ce ne sont pas les zombies, le vrai danger, c'est moi. Ah mince. Bon, j'ai été moins efficace avec le snipe, hein, je veux pas dire, mais... Coup de viser dans la tête, hein. Ça marche, mais quand on vise dans la tête, justement. Alors, ça, hop, vite, tac, 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 hop. Super, bravo Léon. Léon fait ses exercices hein, quand il doit vite recharger toutes ses armes rapidement là. Tac tac tac. Hop, pas mal. Bon, pour les deux balles après, on va pas non plus faire une histoire. Deux balles de TMT.
Bon, on va essayer de ne pas tuer Sherry. Pas Sherry. C'est pas Sherry, c'est Ashley. On va essayer de ne pas tuer Ashley. Watch out for me. Mais oui, Vanessa. Allez, en avant. Tac, 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 là il y en a un autre en vrai. Oh putain. Il m'a fait peur ce bâtard là. Ok. Alors, un truc de fait. Problème, elle va courir vers l'ennemi. Ok. Donc c'est vraiment moi qui l'ai tué à chaque fois, on va pas se mentir. Ah, donc ça c'est chiant. Ouais, il a lâché. Ne pas tirer sur elle. Voilà. Ok, ça semble pas mal. Mais arrête. Le mec il l'a déjà chopé deux fois, t'sais. Pour le slide par contre. De type exceptionnel. Ok, il y en a encore un là. C'est là, là. Ok. Allez, Ashley. Oui, oui. Viens. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres Jean-Jacques qui sont arrivés. Et dans le doute, on va quand même aller chercher des loots. On n'a pas pu choper la dernière fois. Enfin, qu'on a chopé, mais on est mort, on n'a pas pu les avoir au final. Parce que c'est quand même des balles de fusil à pompe, quoi, je veux dire. C'est trop bien. Et là-bas, je crois que c'était des ptasses, non? Ou rien du tout? Un truc non notable. On s'est pris un petit coup, mais ça va. On a surtout utilisé... non, c'était un truc très très notable. On a surtout utilisé beaucoup de balles du TMP. Et du fusil sniper. Mais ça va. Ah c'est bon, elle peut le faire par elle-même. Elle est forte. Alors maintenant, surtout, pas d'autres ennemis s'il vous plaît. T'es bon, t'es là? Ok. On s'en va. Oh, on a passé... Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ces horreurs. Oh. Ce n'est plus une erreur, c'est une faute de goût. C'est une salle avec une machine à écrire en marchant. On va essayer d'arriver de l'autre côté sans mourir. En tout cas, c'est calme. C'est calme, donc c'est potentiellement la salle du loot et du repos. Ça me fait plaisir. Ah oui, c'est la salle où on se remet bien. Parce qu'ils savent, qu'on en a, bavé. Hein. Il y a... petit mec là, il y a un petit truc là. Oh là là, trop bien. Ça fait tellement plaisir. Hop, voilà. Petit coffre comme ça, là, boum boum. Une grenade dedans. Ok, bon, je m'attendais pas à une grenade, mais c'est bien une grenade. Quand on n'est pas habitué à avoir grand chose, une grenade, c'est pas mal. Oh là là, et puis là, il y a des trucs. Discutables. Oh, arrête, ça brille. J'avais pas vu qu'il y avait un trésor ici. Ah, il y a un trésor là-bas. Oh, attends deux secondes, déjà. Alors tu m'étonnes qu'elle se base finalement, parce que... parce que je peux la buter, tout simplement. Donc là, le coffre, on me dit, c'est une diversion. Le coffre ici, parce qu'il y a un truc en haut. En vérité, il y a quelque chose en haut. D'intéressant. Voyez-vous. Il y a une chose extraordinaire située au nord.
on va faire la machine à écrire et tout ça, bien entendu. Dès que j'aurai chopé ce que je veux. Comment on va là-haut? Oh! Astucieux. Examiner. On dirait qu'on peut uniquement l'ouvrir de l'autre côté. D'accord, on sera... Le raccourci. Comment est-ce que je vais... sauter sur un truc. Faut que je saute sur les trucs, je pense. Sur les... lustres, là. J'imagine... Ça, c'est pas... Ça, je peux pas tirer à travers. Enfin, si, je vais tirer, mais ce sera à travers, justement. Ce qui ne m'aide pas du tout. Je sais pas comment choper le trésor. Ma foi. Alors, on va juste soigner. J'ai deux herbes vertes. On va en utiliser une sur Ashley. Histoire qu'elle soit soignée. Et une sur moi. Histoire que je sois soigné. Qu'on soit vraiment bien. Et on va ranger tout ça. Ça... Ça revient au même que les verts et rouges, à savoir que ça rend tout. Lui, on va l'équiper, on va le recharger. On se met bien. On se met bien parce qu'on en a bavé quand même. Tac. Alors ça. Ça va là, ça, ça va là. Ça, ça va là. On a trouvé la race de grenades par contre. Oh, pas j'hésite à les utiliser là, vu que j'en ai beaucoup. Contrairement à des munitions où j'en ai vraiment pas la race. Mais bon. Mais bon, qu'est-ce que c'est les munitions? Welcome! Welcome! Got some rare things on sales. What cool. Moi j'ai des trucs à vendre aussi. Alors, des spinels, j'en ai deux. Is that all? Des bleus velours, j'en ai trois. Is that all, stranger? Is that all, stranger? Is that all? Oui. That is all. Is that all? Ah, ça. Thank okay. You. Thank what are you, you buying? You buying? Qui okay, vend toujours pas ça. Alors, j'ai 81 000. Le pistolet tout court, on en veut plus. Le Red 9, on en veut pas. Le Black Tail, c'est pas vraiment l'amélioration que je vais acheter tout de suite là maintenant. Donc on peut prendre un magnum, j'ai pas trouvé de munitions de magnum encore, par contre, de manière plutôt extraordinaire, j'ai pas trouvé de munitions de magnum, du coup, bon, j'hésite à prendre un magnum, sauf que ça coûte cher cette merde. Le Riot Gun, fusil à pompe efficace aussi à longue portée. On passe de 4 d'attaque à 5, ce qui paraît plutôt pas mal. Ce qui paraît plutôt acceptable. Là, on passe de 4 à 7. Oh mon dieu. 7. Ah, c'est fort. C'est fort, fort, fort. Donc, on va vendre le fusil. Parce que ça, c'est un fusil à pompe. Ça, c'est un fusil calibre 223, pareil que lui. Donc, on va vendre notre fusil à pompe et notre fusil. What are you selling? Vendre. Fusil à pompe. 40 millibours. Ah. I'll buy it. Et le fusil thanks. Normal, on a moins amélioré. Thank you. What are you buying? Et on va acheter le Riot Gun. Qui prend plus de place? Non, si, je sais pas. Et you. Le fusil semi-auto, qui lui prend plus de place de manière... De manière, oh mon dieu, c'est sûr. Alors, attends. Ah, mais ça, je peux le vendre aussi, la lunette, là. Mais ça sert à rien. J'en achète une autre. Voilà. Donc là, il me faut la lunette du fusil auto. What are you selling? On va vendre la lunette du fusil normal. Fusil semi-auto, lunettes, fusil. Is that all? Voilà, et on va acheter. Lunettes, fusil semi-auto. Is that all? Voilà. Non, on va faire ça comme ça. Comme ça, je peux mettre une autre boîte ici pour les. Pour les Ménétiens,
semble pas mal. Ou alors je fais ça encore différemment. Du genre. Comme ça. Enfin là, je laisse pour deux emplacements. Ça, je peux faire ça comme ça. Ouais. À voir. À voir. Du coup. J'ai des armes qui prennent plus de place mais qui sont mieux. Thank you. Est-ce que j'achète d'autres armes? J'ai encore 62 000. Je peux prendre des armes peut-être qui prennent des munitions différentes. De type le Magnum. Qui fait 13 de dégâts. I see you have an eye for things. Gun's not just about shooting. It's about reloading. You'll know what I'm talking about. Ouais. Pas trop, mais ouais. Ouais, ça bouffe de la place quand même, cette merde. Pour 6 balles. Pour 6 balles. Est-ce que je dépense de l'argent pour ça? Non. Après, il fait 13 de dégâts quand même, mais c'est 6 balles. Ah. Ça fait 2. Ah ouais, plutôt optimiser. Optimisons donc plutôt. Donc. J'ai mon riot gun et mon fusil semi-auto. J'ai mon TMP. Après plein de choses que j'aimerais améliorer. Alors améliorons. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Voilà, 6 de dégâts. Fait plaise. Vitesse de recharge. Semi-auto. 8 de dégâts. On va privilégier les dégâts plutôt que la contenance parce que là, des balles, de toute façon, j'en ai pas beaucoup. Et voilà. Et donc, maintenant, on se retrouve avec un nouvel attirail. Qui a l'air plutôt pas mal. On va faire ça comme ça plutôt. Ça a quand même l'air plus malin de faire ça comme ça. Voilà. Ok. Donc on est toujours en rush de munitions. Ouais. Mais c'est un peu moins pire. Oui, attends. Parce que du coup ça, faut que je complique ça. Et bah testons. On va pas tirer avec, hein, je veux juste... Ah et donc maintenant j'ai un laser aussi sur mon fusil à pompe. Et ça a l'air de... Ouais, si ça bouge quand même pas mal, mais ça a l'air de moins bouger quand même. Et c'est à répétition, donc il faut que je fasse gaffe à pas utiliser toutes mes balles d'un coup, mais... Et on fait la race de dégâts à répétition, et ça, ça fait plaisir. On sauvegarde. Parce qu'on le mérite. On assume nos choix, hein. Sauvegarde numéro 34, on est face à 33. On a plus beaucoup de balles, mais ma foi, on s'en sortira. Il est censé y avoir une assiette, ici. Je sais pas de quoi il parle. Arrête, il y a un deuxième marchand. C'est quoi le délire? Si j'avais su, j'aurais peut-être pas dépensé tout mon argent, tu vois. Mais... Welcome. Dans ce jeu, tu dois utiliser les armes que j'ai sélectionnées, étranger. Choisis un type d'arme, étranger. Tire rapide. Il a quand même pas modifié mon arsenal. Oh le bâtard. C'est pour ça là? C'est un truc de challenge. À nouveau. Ah ouais, c'est un truc de challenge. Bon allez aussi. Ok. Ok.
en charge. Résultat, prix obtenu. Coup but 24 sur 25. Score 2600. Nombre de prix 2. C'est un petit truc sympa caché là. Que veux-tu étranger? Arrêtez. Vous avez gagné 2 bouchons de bouteille. Qu'est-ce que je fais avec les bouchons de bouteille? Entraînement au tir, règle du jeu. Vous recevrez des prix en marquant plus de 1000 points. Les points bonus seront attribués pour les tirs à la tête. Une cible Salazar permettant de gagner beaucoup de points peut apparaître après des coups au but successifs. Si vous tirez sur une cible d'Ashley, vous perdrez des points. Prix. Un bouchon de bouteille vous sera attribué tous les 1000 points. Vous gagnerez des bouchons de bouteille spéciaux lorsque vous atteindrez toutes les cibles en bois, sauf celle d'Ashley, et que vous marquerez plus de 3500 points. Prix. Suite. Le premier prix de bouchon de bouteille est accompagné d'un socle collector. Bonus spéciaux. À chaque fois que vous terminez une rangée sur le socle collector, vous gagnerez des points bonus. Il y a 4 rangées en tout, vous avez 4 chances bonus. Vous pouvez voir votre collection de bouchons à l'écran trésor. Ah! Ah oui. Oui, d'accord. Et donc, là, ce qu'on essaie de me dire, c'est que... C'est que voilà, les bouchons de bouteille sont là. C'est des figurines. Léon avec le fusil à pompe. Luis Serra qu'on peut faire tourner comme ça. On peut zoomer sur Luis Serra parce qu'il est beau. Est-ce que je peux les vendre? C'est ça la vraie question. Est-ce que je peux vendre des bouchons de bouteille? Welcome. Salut! Ça roule. J'aimerais vendre des figurines collector de moi-même. Ça ne marche pas. Tu n'as aucun goût. Et là, bien sûr, on a de nouveau notre inventaire de base. Okay. Bon, bah, heureux de sauvegarder parce que la 35. Parce qu'on a découvert un mini-jeu extraordinaire, qu'on a gagné 2 bouchons de bouteille. Et nous y voici. Donc on a réussi à faire cette salle de l'enfer, à arriver ici et à changer notre équipement. On a une destination qui est pas loin finalement. Après peut-être qu'il va falloir qu'on fasse tout le tunnel là, je ne sais pas. En tout cas ça a l'air ouvert ici. Donc je ne sais pas. On verra. On verra, ce sera la surprise du prochain épisode.